Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler des carrés locataux. Bien entendu tous les radioamateurs savent ce que c'est, mais comme j'ai quelqu'un, Noël, qui m'a demandé sur mon site ce que c'est exactement les locataux, je vais vous présenter quelques outils en ligne qui pourront vous être utiles. Donc le locataux, enfin en fait c'est quoi comme on le voit? En fait ici c'est tout à expliquer, je mettrai tous les liens. C'est tout simplement un outil de localisation qui est utilisé par les radioamateurs. Je vais faire simple, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On va dire que le globe est divisé en carrés de 20 degrés de longitude et 10 degrés de latitude, avec 18 divisions horizontales et 18 divisions verticales, ce qui nous donne 324 carrés. Chaque carré est redivisé pour arriver à 1000 carrés moyens et redivisé encore une fois pour arriver à 576 carrés qui vont nous donner nos carrés locataux. Voilà, pour le reste, je vous laisse passer la documentation et je vous présente les outils en ligne sur le sujet. Donc le site le plus simple, c'est celui-là où vous rentrez tout simplement votre locataux et vous aurez votre position de locataux que vous cherchez. Ensuite, je suis toujours sur le même principe, sur le grid map locataux 3 de qrz.com, où vous rentrez votre locataux et vous aurez votre longitude, latitude et l'emplacement sur la carte, ou l'inverse également, vous rentrez votre longitude et latitude, vous aurez votre position sur la carte. Cet outil-là, je ne l'ai pas testé, mais donc on va voir si ça fonctionne. En partant d'un fichier ADIF, donc de votre log, vous allez pouvoir afficher tous les locataux que vous avez contactés. Donc on va tout de suite voir si ça marche. Donc mon fichier ADIF, il est là, envoyé. C'est le test en direct. Ok, donc il y a eu un petit souci, il n'a pas trouvé. Bon, enfin, normalement, ça, je pense que j'ai peut-être pas le bon format. Ensuite, toujours un site en ligne qui va vous permettre de trouver votre locataux en partant d'une adresse. Ça peut être intéressant aussi. Ensuite, toujours un site qui va vous permettre de calculer une distance entre deux locataux. Si vous avez le locataux de votre correspondant, mais vous ne savez pas quelle distance il est, vous allez faire le calcul. Et pour finir, toujours une petite carte très simple où vous sélectionnez, vous rentrez votre locataux, vous validez et vous avez tout de suite l'emplacement du locataux. Voilà un petit peu pour tous ces outils en ligne concernant le locataux. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé.